Bonjour à tous, c'était Camon. On se retrouve au 37e épisode déjà de la firme Axolot. Et oui, j'étais tellement en avance pour que j'en aie pendant mes vacances du mois de juillet et début août. Donc, on continue. Je ne suis pas encore mort. Qu'est-ce qu'on peut faire comme résumé en ce moment? Donc, on a une grande filiale ici, des petits restes ici, petite filiale là. Pas grand-chose et que des fédérations, ça commence à être très compliqué. On est en 2422, le mid-game, on a survécu puisque le can, on l'a explosé. Merci côté tuyau, on m'a informé dans les commentaires que c'était la seule poche de la game, je l'ai trouvé. Et du coup, on a réussi, je pense, à faire quelque chose d'intéressant. On va se calmer. On va se calmer parce que je n'ai plus que deux flottes. Et l'objectif de guerre n'était pas d'avoir une filiale, mais simplement d'annexer ces deux territoires et aussi pour mes vassaux. Surtout qu'on est rendu à 98% de lassitude de guerre. Alors, avant de faire un traité de paix, je vais vérifier quelque chose. L'hégémonie d'Oxandra est toujours sous la tutelle de protectrice, je suppose. Ah oui. Associé fédéral de la Kenlidar. Ah, c'est chaud. Et si je vais attaquer la Kenlidar, je ne peux pas. Donc, je vais arriver à un moment où je pense qu'il faudra que je fasse une association défensive, peut-être avec le syndicat Zakplot, ça pourrait être rigolo. C'est le seul qui résiste, mais c'est des criminels. Mais en même temps... Ah non, négociant pacifique. Pacifique, les mecs. Puissance de flotte supérieure. Ah, c'est épineux, hein. Très épineux. Bon. Et justement... Les Alariens gagnent Géa Gawa. Et nous on gagne nos deux systèmes. Géa Gawa, c'est où ça? Ah oui, ils gagnent ça eux en fait. Il aurait fallu leur prendre tout ça et ils n'ont réussi qu'à avoir un seul système, c'est moche. Il y a ces deux poches là où on insiste un petit peu. On va essayer d'insister. Allez, on va se donner quelques minutes de plaisir encore après tout. Ok, ça veut bien. 38 000 énergie. Mais ça aurait été une baston super sympa et c'est une série assez extraordinaire puisque je pensais pas y arriver quand même. Au grand amiral. Je saurai maintenant. Je ne ferai plus la section des IA avancées. Il y avait 4 IA. C'est ça qui me met un peu dans la mouise, je pense. Et quand on regarde les scores... Les débris, tu vas les scanner. Victoire. Je suis quatrième. 001. C'est une confédération qui est devant. Handshake protocols activated. Et la nation des Berniques hurlantes. Ouais, d'accord. Ouais, bah ça pique. Hein. Ou alors je déclare guerre aussi. Non. Non. On va y réfléchir. On va fermer les succursales. J'ai pas envie de les voir aujourd'hui. Donc la firme, tu répares. Est-ce que ta coque monte? J'ai pas l'impression que c'est un seul. Ah si, pourtant c'est top. Qu'est-ce qui manque? Écoute, hein. Construction complete. Peut-on fusionner? Voilà. Hop. Le péage, t'es à 55 000. Ok. Est-ce que la firme ne répare pas? Oh, je vois pas ce qu'elle fait. On a 158 sur 200. Ah, on a dépassé notre limite. Bon, bah. Stop. Stop. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est les planètes, toujours. Et ouf. Stop. On va leur faire un traité de paix maintenant. Est-ce qu'ils ont pris. Patragore. Est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte? Si on demande la paix...
Bon, allez. Ça m'a l'air compliqué, on est aussi fort l'un que l'autre. Envoyez l'offre. Voilà. C'est fait. On va laisser l'ordinateur calculer, je sens qu'il bloque un peu. Est-ce que c'est validé? C'est validé, j'ai fait pause. Donc ça c'est bon, on a gagné deux systèmes pour nous. Et ils ont gagné très très bien. L'Axol, la retraite commission. Oui, c'est eux mes alliés. Baldamku. Très bien. Bon bah c'est cool. Bon, on va demander à la firme d'aller à Voidalos, mais du coup c'est trop élevé, c'est ça? Redescends à 200. Redescends à 200. Et la firme, tu vas aller à la station de Voidalos. C'est parti. Allez, on rapatrie tout le monde. Donc du coup, on va faire un épisode maintenant. Renforcement et troisième flotte, je pense. 200. Toi, tu vas aller à Anubis. Allez, go. Tu rentres à la maison. On va prendre les abonnés et puis les lapinators, on va les ramener. Hein. On va les amener ici à Anubis. Ça, c'est bon. Notre armada ici. On va les amener là. Tout ce qui reste de nos mercenaires, c'est vendu. C'est parti ici. Ok. Puis du coup, on va aller explorer par là. Parce que, bon, je vois qu'il y a des explorateurs aliens, mais. Hop. Ok. Alors, je suppose que l'IA est très rapide maintenant. Parce que, du coup, on les a libérés. Donc, son rival. Paf. Associé fédéral, pacte d'agression. Est-ce qu'on met fin à la rivalité pour l'instant? Je ne sais pas. Mais je sens qu'ils vont finir... Ah, ça pue. La Kelnuldar, t'es en fédération, toujours, ici. Pourquoi je pourrais déclarer la guerre? Son père n'est pas en paix. Ça serait assez fun, surtout qu'il y a la Pax Integrator. Il faut que je réfléchisse à ça. Qu'est-ce qu'il leur reste à eux? Axel, tant pire. La Gritte. Ouais, ils sont là. C'est Bernie Curland qui sont dessus. Oui, bah, un bel escargot en représentant, on est d'accord. Ça, c'est les robots qui se sont révoltés chez eux. Et c'est vrai que nous, on a une menace robotique aussi. Pourquoi on peut pas avoir une fédération? On doit être en paix. Alors, on va pas les embêter pour l'instant. À quel bride Inviter des attaquants. Aucun intérêt. Ok. Ça c'est moche. Alors revendication. Aucun cas d'humiliation. Et on ne peut pas. On ne peut pas. J'ai peur qu'on soit bloqué. Allez, on va doucement. On ramène tout le monde. On remet le chrono.
Et voilà, il recommence. Terminal Egress qui veut récupérer. Oui, bah. Et je vois que j'ai deux stations trop. Ouf, par contre, ça augmente très très cher. Quand on dépasse les stations, c'est 50%. Ouh. 25% par station trop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme ressource du coup dessus? Recherche, voir. Carte détaillée. On a gagné quoi? Des minerais? Ouais, 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 c'est pas mal ça. Si je devais lâcher une station. J'ai pas en techno. 56 mois, mais j'ai pas le personnage qu'il faut. Ah, j'en ai un. C'est cool. Alors, on était à 56 mois. Et là, on bascule à. Oh non, t'es mieux que ça quand même. 52, voilà, on a gagné 4 mois. C'est déjà ça. En même temps, il est rang 2, on va le laisser prendre son rang. Très bien. Qu'est-ce que je peux me sacrifier autrement? Allez, on va le reconfigurer. Ça, on va faire plutôt une batterie. Et j'ai déjà plus du tout. Comment sont mes stocks? 1100, 816. On est bien. On va en acheter 1250. Hein. On va l'améliorer, celle-là. Bon, on remet en lecture, c'est bon. Harcèlement toujours téléphonique, on connaît par cœur. Ça, c'est impressionnant quand même. Mégastructure alien chez les nations hiberniques hurlantes. Oui, 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 si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Batterie, batterie, batterie. Ah, c'est impressionnant. Hein. Là, j'ai coupé, j'ai pas fait d'ellipse. Bref, quartier d'équipage, oui, parce que là, quand même. Observateur, ordinateur de ciblage, je pense. Logistique de flotte. On gagne de capacité navale, c'est pas si mal que ça, ça. On va augmenter nos défenses. 3 shields, 1 bourrinator. Voilà, on va le laisser travailler. C'est parti, on a claqué tous nos métaux. Ah bah c'est bien. On a une station en trop quand même, et ça nous pénalise un petit peu. Mais off. Alors j'en parlais récemment par rapport aux chercheurs passionnés, mais ça coûte trop cher. Non, ça ne coûte qu'en énergie. Si tu regardes bien crédit énergétique, dans la consommation de ton personnalité, ça me coûte que 92. Sachant que je gagne encore quasiment, je suis bientôt à 3000 d'énergie par mois. Donc c'est qu'une goutte d'eau. Les mégastructures 5, c'est rien. Les vaisseaux 728, c'est une blinde. Les stations 78, donc c'est pas méchant les stations encore. Ah non, c'est autre chose. Stations, ça va être les. Attends, les stations, c'est sûrement les trucs que je fais autour pour le minier, les recherches, tout ça, d'accord. Les bases stellaires, ça me coûte 264. Ah oui, ça peut monter très vite. Un bâtiment 385, bâtiment 682, district 87. J'ai qu'un district pourtant. Oh la vache. Ouais, ça coûte un peu de bonbon. Alors, on va décocher ça, c'est une horreur, on n'en a pas besoin. Le temps que tout le monde arrive, comment ça se passe? Supérieur était allié à l'Empire Axolot. Est-ce que j'ai besoin du coup des aplots syndicates ou pas? Parce que je me sens bien seul d'un coup. Je pense que ça pourrait être sympa. Il faut bien réfléchir. Ouais, donc il peut jamais rejoindre une fédération, ok. On va prendre le temps. Et là,
Relique possible. Oui, bah, le trône du Khan, voilà. Ce qui nous redonne à chaque fois éthique militariste plus 25%. Les armes de vaisseau plus 20%. C'est quand même cool d'avoir fait le Khan. Là-dessus, je suis assez content. Ok. On va ramener les autres ici aussi. Je pense que c'est là que je vous avais dit de venir. Côté... tiens, ça fait longtemps. Alors c'est quoi, les spiritualistes? Oui, même pas. Hein. Même pas du tout. Coquille vide. Faudra virer les robots. Égalité des droits entre synthétiques et organiques. Handshake protocols activated. Monde mort, éruptionnique. Ah, ils sont quand même 112 à le penser. Hein. Esprit plutôt que la matière, ouais. C'est pas une majorité, ça va. Tour de Léviathan, bah ouais, vous êtes mignons. Alors là, on a un bonus ordinateur. Ah, ça surchauffe. Allez, plus 5% en vitesse de recherche, oui. Ça coûte un peu d'énergie, mais on a ce qu'il faut. On est bon. On est bon, on est bon. Le monde océanique est bientôt prêt. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai tellement d'espèces. Regardez tout ce que j'ai maintenant, c'est de la folie. Je pense qu'au niveau colonial, ça va être le bazar pour choisir qui. D'ailleurs... Parti, voilà. Qu'est-ce que je vais envoyer en océanique? Il va être temps d'y penser. Ah non, même pas, ça n'a même pas classé. Les Xelec sont pas mal quand même. Hein. Construction complete. Les soldats ne sont pas pioniques, mais habilité 10, développement, unité, c'est bien. Pas mal celui-là. Les Alariens, je les aime bien, mais ils ont un malus en quoi? En consommation. Ah bah non. Non, ça va, ça va. Ah tiens, les Xelec hybrides. Armée plus 40%, c'est énorme. Appliquer un modèle. Hop. Appliquer le modèle. Enquête. Allez, en 2 mois, c'est fait. 3 mois. Ça me va. Étudier le messager. Ça pue, ça. Ça pue, le messager. Je pense que ça va modifier notre population. On va attendre, mon petit père. On va attendre. On peut pas faire fédération, on est tranquille. Donc, ça, c'est bon à savoir quand t'es criminel, t'es coincé. Vaisseau scientifique. Ah, bah, c'est un axolote. Oh, allez, vas-y. Ok, et toi t'es où? On va voir un peu. T'es rendu ici, bien. On est en équivalent, on va voir un peu cette fédération, ils ne sont plus en guerre. Écrasant. Équivalent et pathétique. Lui on pourrait demander de devenir une filiale. Voilà, on a gagné Casus Belli. On peut pas. Bon. Après, on pourrait être rigolo. On va peut-être le faire. On confirme le pack défensif. On va faire un truc fun. Ah, mais c'est que si on nous attaque. Si j'attaque quelqu'un, il va pas venir. Voilà. Normalement, on est au max. Accord de recherche, moins 1. Ah, on y est presque. Ah bon, on va faire accord de recherche. Un peu de nourriture. Qu'est-ce que t'en dis? On n'en dit rien du tout, ouais. Un peu d'alliage.
non plus. C'est pas terrible, hein. Matière noire. Species enhanced. J'en ai combien de matière noire? J'en ai pas des masses, par contre je perds en particules, j'ai l'impression. On va attendre. Pour l'instant, mon stock remonte. Et puis, on va agrandir un petit peu. C'est bon. On ferme ça. Donc, il est content. Mince. Et non, ça ne met pas à jour pour la recherche. Zéro. Oh, tu chipotes. Tu chipotes. Deviens filiale. On verra si on y arrive. Comme on l'a comme copain maintenant, on va le garder. Ok. La ferme, les réparations sont terminées. Ah ben on revient chez nous. La ferme est là. J'aimerais bien avoir un scientifique dans le coin. Merci. Clac. Et même deux, hein. On va amener tout le monde ici. Ça roule. C'est quoi ça? Un cuirassé ami bien. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est complètement ouf. On va le ramener là-bas. Alors, la firme. On est... On est à 170 sur 200, donc on peut s'améliorer. C'est vrai. On peut acheter des métaux, c'est vrai. Voilà. On peut même vendre de la bouffe, on vend 10 000. Allez, voilà. On a regagné de l'énergie encore, et là... Voilà. On est bon. On va refaire un nouvel habitat. À Bivam. Oh, on peut faire plein de choses. Handshake protocols activated. Faire un chantier d'habitat sur quelle planète? Un truc fun. J'ai toujours rêvé une géante gazeuse, un peu comme l'Odyssée de l'espace, hein, les stations autour. Allez, c'est classe. Alors, on voit que ça lag un peu. Ça lag de plus en plus. Plus on est avancé, quand je regardais les vidéos de Tibérien, je voyais ça en multi, ils avaient l'air de laguer pas mal aussi. Ok, ça le fait. C'est parti. They're fighting. Stop fighting. Qui est en guerre? Ah, c'est bien. La Palyrie investie. J'ai déclaré la guerre à 001. C'est qui ça? Ascendance stagnante. C'est pas ceux qui sont à côté de chez nous? Mais si. Ah, je me suis fait gruger. Ils m'ont piqué juste à côté. C'est pas possible. Eux m'embêtent vraiment. Personne peut venir. Ah, vous êtes triste. Je pense que c'est à 001 qui est parti pour gagner au final quand même. Ça c'est moche. Bon bah écoute, c'est pas grave, on va renforcer la firme, il reste un peu. Allez, c'est parti. Ramener plein de corvettes. Puis on va se faire une nouvelle flotte. Où est rendu le péage au fait? Il est là. On a rendu un score de 198, donc ça suffit aussi. C'est pas mal. Bah non, tu vas aller avec la firme. Ou tu vas mieux, tu vas aller à Solarium. Hop. Alors on avait OPA, ça me plaît moins bien. Cuirassé ami bien. Pardon. Quoique.
la firme, le péage. Et les actionnaires. Puisqu'on a aussi un truc commercial comme ça, les actionnaires. Allez hop, à Solarium, nouvelle flotte. On va récupérer un amiral. Alors on a qui? On a Rich Cool qui nous attend. Rich Cool, revoilà. Tu es à nouveau bon. On va donc reprendre des corvettes, destroyers, destrodef, croiseurs. Croiseur missile, cuirassé, donc à midi on l'a. Et pas de titan. Donc on va monter à un de chaque et puis par contre on va monter tout de suite. Capacité navale, c'est quoi ce bazar? Construction complete. Oui, d'accord, est-ce que j'ai en train de lire capacité navale au-dessus? Oh, c'est des coups, d'accord. Oh, il y a beaucoup de texte. Hein. Moi, je regarde la limite de commandement ici. Destrodef. On va monter à 10 pour voir la différence. Voilà, pour l'instant, faire ça. C'est bon. Et il nous reste encore un peu de temps ensemble, un petit quart d'heure. Oui, bah, on n'a plus qu'à renforcer, on verra. Construction après. Complete. Ok. Ils vont où, ceux-là? Ils viennent. Ils renforcent. J'ai un portail là, je ne vais pas le réactiver. C'est très bien qu'il a été cassé une dernière guerre, parce que du coup, ça évite à ramener des gens inutilement. On va le laisser comme ça. Ok. Du coup, bah ouais. Allez, on renforce. On est à 387 sur 422. En technologie, du coup, on en est loin encore. Non, les canutariens, non, parce que si je veux vous faire la guerre, non. Comment ça se passe chez vous? Il est supérieur encore. En fait, les violets sont partout, partout, partout. Si je refais le point. Supérieur. Les kicks du Fran Prime, ils sont équivalents. Ouf. Puissance de flotte. Bon bah lui je peux pas l'attaquer puisqu'il est allié. Ok. Et on peut pas leur demander de casser une fédération. Construction complete. Ah, s'il est en paix, on peut demander. Tiens, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut faire ça? Et puis de toute façon, je crois qu'on est arrivé au maximum de ce qu'on peut faire vu comment ça coince avec la 001. Vous serez d'accord, je pense. Parce que je suis toujours en apprentissage, de toute façon. T'es en guerre? Mais qui n'est pas en guerre en fédération? T'es pas en guerre? Que mettre fin à rivalité. On va faire un bidouillage. C'est un guerrier honorable qui s'est bien battu. Il nous considère comme sa rivale. Ouais. En même temps, je suis rendu à 8, j'ai plus besoin d'agresser. Voilà, calmer le jeu un peu. Je réfléchis à ce que j'aurais comme solution. Eux, quoi. Clairement, eux. Puissance de flotte écrasante. On peut rejoindre leur fédération.
chatouille, on pourrait se battre contre tous les autres. Ouais. Bon, il est encore protégé de la 01, de toute façon lui c'est mort. Donc j'aurais une fédération que je pourrais rejoindre. Depuis le début je refuse. Traité migratoire. Ça m'embête, j'aime bien mon indépendance quand même. Et c'était pas l'objectif du tout d'être avec eux. Les axolotes, là, le consortium, du coup, vous êtes toujours en guerre, vous, évidemment. Ah bah ouais. On va attendre un petit peu qu'ils soient en paix, on va voir si on peut les récupérer. Ah, on peut rejoindre uniquement, bah oui, oui. Ça, c'est embêtant. On va essayer de faire une troisième flotte, ça va être l'objectif je pense, et si vraiment ça coince, on arrêtera là. J'aurais fait mes preuves quand même avec le Megacorp, je pensais pas y arriver autant. Je suis toujours quatrième de toute façon, si je regarde un petit peu. Victoire. On est quatrième, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. Et puis la Fédération est grande, meilleure est le score, je sais. C'est sûrement ça le truc. Alors attends, allez-vous cette station là? Ah oui, on va continuer à l'améliorer, excuse-moi. Et en forteresse. Bon, on aura eu un beau jouet galactique. Un mégacorps intéressant pour l'énergie, c'est. Pff, c'est complètement fou. Mais côté militaire, c'est balèze. C'est balèze qu'on manque de planètes, on manque de tout, on y arrive quand même, mais... Alors, on est à 183... Ouais, allez. Les actionnaires arrivent, t'es monté à 6000. Allez, on va te gonfler un petit peu. On va même tripler la vitesse. Super content. Donc ils veulent faire la guerre, mais je vois rien là. Task Force Gladiator. Ouais. 135 000 la flotte. Punaise. Et limite de commandement, comment ils font? Je l'ai pas ça. Ouais. Bon, les reliques, c'est vu. Il me manque plus que ces deux-là, j'aurai mon dernier atout. Porter les capteurs, projet Colosse, on s'en fout un peu. Special project complete. Est-ce qu'on veut changer notre population? Non. Non, parce que je pense que ça va faire le pionnisme, si je me souviens. Puis à ce niveau de game, on s'en fiche un peu. La chair est faible, maintenant c'est des robots. Plutôt que la matière, façonneur de monde, défenseur de la galaxie, ça c'est pour les factions de fin de partie, bah oui. C'est juste pour les revendications, emprise sur le néant, bah c'était l'air beaucoup plus long, d'accord. Il n'y a rien qui augmente ma limite de commandement. Ah bah écoutez, alors, bon, on a vu les réflexions sur les atouts, c'est pas terrible non plus. Ouais, je réfléchis. À la limite, ça fait quand même un bon let's play qui se terminera. On remet en route, parce que j'ai eu encore un harcèlement téléphonique comme d'hab. On remettra sûrement un nouveau let's play avec le patch relique. Mais après mes vacances d'été, ça c'est clair. Là, ce que je vais faire, si je peux, je tourne encore quelques épisodes, mais je pense qu'on est rendu au max. Hein. J'ai pas de solution. Reste à voir la troisième flotte. Ce que ça donnera au 38e. Là, il nous reste 10 minutes ensemble. À peu près. Ah ben on va renforcer. C'est tout ce qu'on va faire. La firme, donc, était à 186. Attends un peu. On n'est pas en guerre, donc on va plutôt accumuler. On perd en particules. On va faire un tour sur notre planète. Ok, là, ça travaille, c'est normal. Là aussi. Station minière. Tiens, on va augmenter notre capacité toujours. Ce que je disais avec les habitats, c'est ça. Hop, on va continuer à faire de l'alliage. Ou alors centrale chimique.
Construction complete. Ah, ça pourrait être bien aussi. On est rendu à quoi? 273 d'alliages par mois. C'est pas dégueu. Hein. Et l'autre, on est à 24, bientôt 25. Rugba One. Attends, on va tricher. Marchez aux esclaves, s'il vous plaît. Attends que la fenêtre s'ouvre bien. Alors, Rugba One. Voilà, et on va acheter quelqu'un de bien. Tu n'as pas un malus en consommation. Beaucoup de guerre, beaucoup d'esclaves. Oh, que c'est bien. En ingénierie, t'es doué. Ouais, c'est pas mal. J'attends qu'il arrête de laguer, ça serait pas mal aussi. Les ingénieries. Forte, 20%. Il n'y aurait pas un très fort à vendre. En fait, ce qui est marrant, c'est que toutes les espèces trinquent, quoi. Tout le monde y a droit, ça part d'esclavage et moche. Est-ce que je peux faire descendre comme ça? On va réduire un peu la vitesse, je pense que ça aussi qui fait laguer. Alors, on va survoler. Oh, il y a Psionique. Tiens, c'est intéressant, des robots. J'étais arrivé là, les mecs. Il y en a qui ont des capacités durables, maintenance, d'accord. Mais non, on va se calmer sur le robot, vu quand ça pue. Né pour les étoiles. Ouais, c'est pas mal. Bon, allez, on va prendre un. C'est bon. Non, c'est bon, on va fermer ça. Mais non, c'est pas bon. Ah, décidément, c'est trop pour toi. Voilà. Est-ce que ça va aller, Drugba? Ouais, c'est bon. Alors, 11 en logement. On va demander de l'alliage de métal. Ministère de la production après. Ça pourrait être bien le ministère de la production. Voilà, plus d'habitations. Ah bah c'est bien. C'est quand même super. Un coup d'œil sur les succursales. En aluminier. Nourriture, minéraux, oui. Plus d'alliages, du loisir, de l'énergie. En bien de consommation, on est justement pile poil bien. On va en refaire. Pour remonter un petit peu au-dessus de 10. Ça, c'est de la guerre. Cartox. Minier, recherche, relations publiques. Donc, plus d'unités, pareil. On va rebooster le minier. Voilà, là c'est vu. Alors la firme. On va la renforcer, elle n'est pas rendue à 200. Les actionnaires, on est monté à 10 000 déjà. On a dépassé les 3 000 par mois, hein. C'est validé. Ah c'est top. Allez, claque. On va booster les actionnaires. On est rendu à combien, au fait? On est à 15 corvettes, un seul cuirassé. Ah ben, on fabrique, hein, c'est bon. On va voir ce qui se passe avec toutes ces guerres. En fait, il y a des poches individuelles. Il est défendu par 001, là-haut. Et la Kenudar, là, bon. Ça bouge ici, c'est qui, ça? D'accord. Non, c'est bon. Ouais, lance-missile.
Non, je vois qu'il est déjà fait, j'en ai au moins un. Et missile, je joue pas trop dessus. Ok. On va le laisser crafter. Et en techno, plus que 26 mois et on va revenir à un équilibre financier là-dessus sur les stations. Ça, c'est bon. Très bien. En fait, les fédérations, c'est un peu la poisse, quoi. Il faut taper fort très vite au départ et devenir complètement ouf. Toujours en guerre, pathétique, très bien. Personne n'en veut. Alors l'assemblée interstellaire... Est-ce que j'en ai un peu qui traîne? Construction complete. Coûterait 10 000. Un forum politique officiellement officieux de la communauté galactique. Oula. On pourrait s'amuser à économiser pour ça. Ça pourrait être sympa. Juste pour voir, puisqu'on apprend encore toujours. On va pousser la game au maximum. Ok. Bernicurante ont vaincu un Léviathan. Bravo à vous. Ces flottes de transport ici. Abivam Prime, on est rendu à 43% pour l'habitat. Ah mais 10 000 c'est cher hein. Eux ils l'ont fini de toute façon. On va pouvoir réaccélérer. Et je suis descendu sous des 3000. Oh. Ah ça tire un peu, oui. Les bouclier plus 5%, ouais on a plus que ça à faire en buff. Hein. J'ai toujours Chrysotep en chercheur, t'es toujours là mon gars. Troisième du nom. Excellent. Accroche-toi mon gars. It's good to see them make friends among themselves. Ah bah voilà, ils sont en fédération. Aïe aïe aïe. Ok, et du coup l'autre c'est un protégé de 01 ou pas encore? Ah, une trêve. Équivalent, passer en supérieur. On va laisser partir les mercenaires. On met fin à la rivalité, on va calmer un peu. On va être curieux. Plutôt qu'on achète compter un. Ouais, ouais, ouais. En attente des débris, mystère de l'univers. Il y avait un mystère de l'univers qu'on n'a pas résolu. Il était par où? Il était là. Mais il est toujours là. À la limite, on pourrait s'amuser à faire ça. Est-ce que je peux envoyer mes flottes? Pour le fun, voilà ce qu'on va décider, on va attaquer cette grosse bestiole pour la fin de l'épisode, puisque je pense qu'on arrive au max de la série de toute façon et que vous auriez envie de voir plutôt autre chose, la relique. Et ouais, non, on va arrêter au niveau honorable là-dessus. Je pense que je peux pas faire plus de toute façon. Si vous êtes d'accord, vous donnez vos avis en commentaire évidemment, si vous voulez quand même que je continue au max de pousser, je vous écouterai, il n'y a aucun problème. Mais mon opinion personnelle, c'est qu'on pourra se démarrer avec les reliques et faire autre chose. Je suis bien, bien remonté quand même au Grand Amiral. C'était honnête. Hein. Ouais. Bon, je m'associe avec la Dimang Zanyan et là, je deviens pouf. Ça pourrait être fun. C'est qui la Dimang Zanyan? Je ne sais pas qui est la Dimang Zanyan, tiens.
Je regarde vite fait. C'est étonnant. Par nom, on va classer. Voilà, c'est eux. Communiquer. Construction complete. Chercheur spirituel. Et on peut pas. Ah, il est tout seul celui-là. Mais non, il est en fédération. Ouais, ouais. Ah oui, pour le délire, on pourrait faire ça aussi. Bon! La firme, tu es là. Le péage aussi. Allez, c'est vraiment pour l'éclate. On va essayer d'affronter un titan. Je sens que ça va mal finir, mais bon. Ouais. On en va 100 000 en puissance à peu près. 106 000. Et si on arrive à le tuer, ce serait super. Le dévoreur stellaire. Battle commenced. Alors, on a rencontré quelque chose de monstrueux, un être gigantesque, irradiant de la lumière, comme une étoile miniature. Les instruments de bord ont d'abord indiqué qu'il s'agissait d'une étoile binaire, mais la bête a commencé à exuder des vapeurs lumineuses, puisant une fréquence effrénée. Pulsant, comme s'il s'agissait d'un rugissement luminescent. Voilà. C'est bon. Ils sont tous là. Oh bah oui, alors go. Comment ça se passe? Je me mets en vitesse normale. On va ralentir un peu. Il envoie des petites décharges. Ah. Excellent, excellent, excellent. Ah, la caméra. Est-ce qu'on a... Ah, ça pique quand même, hein. On envoie les accélérateurs dans la bataille. Je le sens qu'il faut 48 000. Eh bah ben, c'est un beau combat ça. Non, c'est bon. Le dévoreur solaire a été vaincu. Ses restes se sont ramassés sur eux-mêmes et évaporés, ne laissant derrière eux que son système digestif et la matière stellaire qu'il contenait. Notre équipe scientifique nous presse d'examiner ses restes. Ouais. C'est génial. Ici, tu vas faire quoi? Reconnaissance du système. On a vaincu. Ah, c'est marrant. D'accord. On rentre à la base. La firme a claqué un petit peu, mais bon. Rentrez, les gars. Construction complete. Et tu es où, toi? Ah, ils arrivent, les raids. Saloperie, saloperie, saloperie. Dépêche-toi. J'envoie tout ce que je peux. Ça, c'est cool. Alors, on déborde largement l'épisode, mince. Solarium. On va t'assigner là. Vas-y, s'il te plaît. Puis, on va essayer d'économiser donc les 10 000. Bon. Je veux juste finir avec lui. Il y a caméra.
Non, ils bougent pas, ils sentent qu'ils ont pas vu, c'est cool. Ah, c'est pas le bon. Ça n'est pas le bon. Allez, fonce. Ok. On est parti dessus. Ouais, bah ça va faire une heure. Hein. Donc c'est bien, on pourra dire paix et titan vaincu en titre. Tu scannes là? Ah oui, scan. Aussi loin que ça. D'accord. Vitesse 3. On arrive bientôt à 300 d'alliage. Là, c'est quoi? Ils ont fait la paix. Ouais. Est-ce que toi, je peux t'envoyer en exploration automatique? Va t'amuser un peu. Trop de minéraux. En 10 000. Voilà. On est rendu à 6 000 de stock. On peut le faire. Hein. Je suis curieux de voir aussi ce que c'est l'assemblée. On va découvrir un peu toutes les facettes malgré tout. On est rendu à 83%. Ils ont fait un portail, oui. Bon. Ah là, on va savoir la réponse enfin. Special project complete. Voilà, le dévoreur stellaire. Cet être mangeur d'étoiles est lui-même une fournaise en fusion miniature, récoltant de la matière solaire afin de synthétiser sa propre source d'énergie. On le savait, ça. Il pourrait être possible d'en extraire l'énergie pour la réintroduire dans l'étoile et ainsi la revigorer. Demi-énergie, minéraux et influence. Ou réactiver l'étoile. On s'en moque, on va piquer, tiens. Et puis voilà. Bah bah c'est pas mal, le dévoreur stellaire a été vaincu. Et nous on se quitte dessus, donc comme je le disais, je pense qu'on est arrivé au bout. Vous aurez des épisodes donc jusque juillet, mais je ne sais pas quand. Moi je reviens mi-août. Et à mon retour, mi-août, on redémarre sûrement sur un nouveau let's play. Le patch relique, oui. J'aurais aimé du multi. J'aurais vraiment aimé. Mais il me faut des gens qui soient disponibles le matin plutôt. Et ce qui veut dire même en période scolaire, si vous me comprenez bien. Parce que je tombe ponctuellement, surtout le lundi matin et le vendredi matin. Donc c'est ça ma question. On a l'été pour réfléchir. Je parlerai sur mon groupe Steam. Sinon, je repartirai sur du solo sûrement. Et votre avis pour savoir si je continue, si je pousse, si vous voulez voir la suite. Parce que je peux au moins faire un... Je vais sûrement faire le 38e épisode pour voir au moins l'assemblée, à quoi ça ressemble. Et puis voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé. Il a été très long cet épisode, mais c'est toujours intéressant de voir les détails. Et à bientôt tous. Bye bye.